Bienvenue sur Deliciosa, chapitre 1, deuxième partie. Dans Saul capitonné, tout était fait pour que les voyageurs de l'espace profitent d'une atmosphère douce, calme et détendue. Des diffuseurs de parfums embaumaient l'atmosphère. John crut reconnaître l'arôme délicat caractéristique du tiaré, à moins que ce ne soit celle du monoï. Enfin, disons, une odeur des îles du Pacifique. Mais il n'était pas très sûr. Il y avait si longtemps qu'il ne respirait plus que les effluves pestilentielles des grandes conurbations tentaculaires que son métier l'obligeait à fréquenter. 99% de la population terrestre vivait maintenant dans des mégalopoles. La campagne ressemblait de plus en plus à un immense désert. De caillasses et de sable dans la zone chaude et de broussailles et de forêts dans la zone tiède. Il remarquait également que les lumières étaient doucement tamisées. De temps à autre, une voix féminine, très agréable, qui lui semblait même humaine, car elle n'avait pas cette diction impersonnelle et monocorde des cyborgs, annonçait l'approche des phases d'embarquement. Réduction temporelle transitionnelle dans 2 minutes. Mesdames et messieurs les passagers, tenez-vous prêts. Chacune et chacun d'entre vous sera appelé personnellement. N'oubliez pas de composter votre billet avant de monter dans la capsule de RTT. Merci. John Quick ôta ses lunettes casque, les replia et les rangea dans un étui rigide de fort petite taille. Puis il éteignit son boîtier à médias. Comme cet appareil ne tenait pas plus de place qu'un téléphone portable classique, il le glissa dans la poche de son pantalon. « RTT dans moins d'une minute !» annonça la voix. Et soudain, au fond du salon d'embarquement, deux panneaux se mirent à coulisser sur eux-mêmes, révélant la présence d'une sorte de tapis roulant, amenant une série de capsules de forme oblongue qui se présentaient les unes derrière les autres. La partie supérieure de ces étranges gélules ressemblait à un cockpit en verre épais. La première personne appelée s'approcha, glissa son billet dans une fente de l'appareil, ce qui entraîna son ouverture. Elle s'étendit à l'intérieur et attendit moins de 30 secondes. Le capot se referma en coulissant lentement et la gélule disparut dans un étroit tunnel qui faisait immanquablement penser aux trappes par lesquelles apparaissaient les bagages après avoir voyagé dans la soute des appareils. Bientôt, ce fut le tour de John. Il put examiner à son aise le petit engin. La partie inférieure se composait d'une sorte de barquette d'un matériau composite très dense qui se déplaçait sur coussin d'air. L'engin ne mesurait pas plus de 2 mètres de long et de 70 cm de large. À l'intérieur de cette cabine, une sorte de couchette de skye rouge, moelleuse et préformée, semblait prête à épouser la forme du corps des voyageurs, les laissant presque allongé, tout en permettant à la tête, au buste et aux jambes d'être très légèrement relevé dans une position de relaxation idéale. John s'installa confortablement et ressentit immédiatement une impression de plaisir et de bien-être, accrue là encore par des senteurs très suaves, des lumières particulièrement douces et un fond sonore de musique planante. Pourtant, le tracker n'aimait pas du tout être confiné. Il se savait un tantinet claustrophobe et se rassura en se disant que cela serait un mauvais moment à passer sans doute. Très vite, les deux parties du cockpit de verre blindé coulissèrent silencieusement l'une vers l'autre et se verrouillèrent dans un bruit étouffé. Une voix se fit entendre. « Veuillez placer vos bras et vos jambes le long des gouttières prévues et rester immobile dans cette position quelques très courts instants. Merci. » Il obéit et s'en voulut immédiatement, car 4 puissants bracelets se refermèrent sans attendre sur ses poignets et ses chevilles, l'immobilisant presque totalement. « Nous sommes désolés de cette gêne passagère, mais pour que votre RTT se passe dans les meilleures conditions et ne donne pas lieu à des conséquences dommageables pour votre santé, vous ne devez absolument pas bouger pendant l'opération. » Bien entendu, John s'agita. Il ne supportait pas d'être immobilisé ainsi. D'ordinaire, c'était plutôt lui qui ligotait les autres. « Passager John Slim Quick, veuillez arrêter de vous agiter sur votre siège. Si vous refusez d'obtempérer, nous allons être obligés
d'ajouter une entrave, dit la voix qui restait parfaitement calme. John se dit que ce ne pourrait pas être celle d'une véritable femme. Il n'arrêtait pas de faire des progrès avec ses voix synthétiques. Ils avaient failli l'avoir, mais l'absence de signes d'énervement révéla le robot ou le cyborg. Et comme il bougea encore une fois le bassin, une sangle supplémentaire se dégagea des deux côtés de son siège et vint serrer sa taille très fermement. Cette fois, il ne pouvait plus faire le moindre mouvement. La gélule poursuivit sa progression au-dessus du tapis roulant, parcourant un étroit tunnel très sombre d'environ un mètre de section. On ne pouvait qu'être saisi d'une impression d'inquiétude aggravée par le fait que les lumières des capsules avaient beaucoup baissé, ne délivrant plus qu'une lumière verdâtre, crépusculaire. Et la voix reprit assez lentement. « Vous vous sentez fatigué. Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Vos yeux vont se fermer. Vous ressentez une terrible envie de dormir. Vous détendez vos orteils, vous détendez vos pieds, vos chevilles, vos jambes, vos bras. » Et la voix détaillait, une à une, toutes les parties du corps en remontant lentement vers la tête. John n'eut pas de peine à comprendre qu'on essayait de le mettre sous hypnose. De nature à la fois trop rationnelle, mais aussi trop inquiète ou trop nerveuse, il se savait assez peu réceptif à ses méthodes de suggestion. Tous les hypnotiseurs qui avaient tenté de l'endormir ainsi n'y étaient jamais parvenus. Rien de mieux qu'un John Slim pour faire rater une soirée. Aussi peu médium que lui, on ne trouvait pas. Ce n'était pas une voix de robot femelle qui allait mieux y parvenir. « Ça y est, c'est merveilleux, vous dormez. Vous dormez profondément. D'un sommeil reposant, profond, de plus en plus profond. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Quand vous entendrez 3, vous serez totalement endormi. Vous ne pourrez plus vous réveiller, tant que ma voix ne vous le permettra pas. » Mais John ne dormait pas. Ses manigances l'énervaient au plus haut point. Il savait bien que certains pratiquaient de véritables opérations sous hypnose et sans anesthésie, mais il se disait que ça ne pouvait fonctionner qu'avec des gens réceptifs, des médiums, pas avec lui. La capsule était maintenant à l'arrêt complet. La voix compta lentement. 1, 2, 3, vous dormez. Et se tut. Pour lui, ça n'avait absolument pas fonctionné. C'est à ce moment qu'il remarqua que les parfums diffusés dans la cabine devenaient de plus en plus puissants. Il avait même l'impression de flotter sur un nuage, d'être environné d'une atmosphère qui prenait peu à peu la densité d'une sorte de mousse légère. Petit à petit, son cerveau commençait à s'embrumer lui aussi. Il perdait un peu conscience de l'endroit où il se trouvait. Il eut juste le temps d'apercevoir l'énorme appareil dans lequel la capsule allait pénétrer. Il ressemblait à une sorte de cyclotron ou une station d'examen par IRM comme on en trouve dans certains hôpitaux. Quand la gélule fut immobilisée à l'intérieur, l'engin déclencha un énorme bombardement de faisceaux laser dans toutes les directions. John eut à peine le temps d'être complètement ébloui par une lumière d'une puissance inouïe qu'il perdit conscience.